Les plus infâmes de prostitution et de débauche. L'on se demande qui peut demeurer là, ce qui doit s'y passer le soir. Ouais, je me lance. Ouais, hein? Mais fais un peu. Ça a quel goût? C'est pas le goût qui compte. Ça décongestionne. T'en veux pas? Un délice? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Rien. Tu peux les garder au chaud, tes souvenirs. Léo, j'ai jamais échappé à ces histoires et je vois pas pourquoi j'échapperais à la tienne. Alors, tes secrets. Il a réussi à lui faire croire que deux couronnes et un bridge pouvaient féconder un ovule. C'est pas ce que tu fais. T'es jaloux, c'est ça la vérité. Tu supportes pas que je m'en sois tirée. Et tu veux m'étouffer avec la boue qui te colle aux semelles. Je vais te dire. Elle avait raison, ta petite stagiaire. T'es indécrottable. Tu pues et socialement parlant, t'es un raté. Qu'est-ce que t'es chou avec ta petite crotte sur la tête? Thank you.
soit un tableau, l'astronome de Vermeer, par exemple. Au cours de l'émission de la série Palette, consacrée à l'astronome, tous les éléments du tableau, tous les détails sont passés au crible, étudiés, analysés, disséqués par la caméra d'Alain Jaubert. Palette, c'est l'autopsie d'un tableau en 26 minutes. Équilibre, profondeur, contraste, distance, structure, personnage, motif, décor, accessoires, angle, géométrie, nuance, intensité, mesure, hauteur, largeur. Un livre. Sur la page de gauche, une figure circulaire. Sur la page de droite, des lignes de texte. Ces seuls indices ont permis de retrouver l'ouvrage à la bibliothèque de Leyde. C'est un traité d'Adrien Metius sur l'observation des étoiles. Esquisse, ébauche, modèle, perspective, couleur, mélange, toile, huile, touche, matière, relief, aplat, raccord, châssis, dégradé, saturé. Les pigments de Vermeer sont classiques, jaune tiré de leur piment, vert de la malachite, blanc de céruse, ocre jaune, ocre rouge, rouge de cinabre. Spatule, vernis, dessin, format, contre-jour, reflet, technique, style, composition, référence, histoire, symbole, forme, ambiance, image, reproduction, équilibre. Dans l'astronome, un reflet d'à peine 2 mm de large montre le reste de la pièce sur un fond de fenêtre. Après les émissions consacrées à Vermeer, Van Eyck, Delatour ou Véronèse, la série Palette, dans son prochain numéro intitulé « Le sourire et l'entrelac », traitera de Léonard de Vinci et de son tableau « Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant Jésus ». Teinte, demi-teinte, plan, arrière-plan, combinaison, masse, ordre, proportion, esquisse, ébauche, modèle, perspective, couleur, mélange, toile, huile, touche, matière. La légende raconte qu'un beau jour de l'an 1830, un jeune garçon, fils de paysan périgourdin, vit un ours. Le colporteur qui conduisait la bête révéla au jeune Antoine qu'il s'agissait d'un ours de Patagonie. Ce nom magique devait décider d'un des destins les plus étranges qui soient. 28 ans plus tard, devenu notaire dans la petite ville de Périgueux, Antoine de Tounens rêvait de rejoindre la Patagonie. Il avait beaucoup lu à son sujet et il savait que ce pays de feu et de glace, à la pointe sud de l'Amérique, voyait son peuple régulièrement massacré par l'Argentine et le Chili. Vendant son étude et tous ses biens, Antoine monta à Paris pour tenter de convaincre l'empereur Louis-Napoléon d'organiser une expédition militaire afin de venir en aide aux Indiens. En vain. Alors, un beau matin de juillet 1858, il embarqua à bord du voilier La Plata, son but, organiser les tribus indiennes en une véritable nation.